Je me sens bien. Je me sens, c'est un honneur pour moi de gagner le Duc de Kent. J'y pense, ça fait beaucoup d'années que je veux gagner ce tournoi-là à la maison. C'est un honneur. Au début, c'était un petit peu plus stressant, mais là, je me suis calmé un petit peu. Avec l'aide de mon caddie, ça l'a vraiment aidé. Puis on a continué, on a travaillé fort. J'ai jamais abandonné. Ça avait commencé un petit peu plus shaky, mais on a réussi à trouver une manière, on a trouvé une solution, puis on a travaillé avec ça. C'est un honneur de représenter le Québec. Je savais pas que ça allait être possible, je pensais pas jamais que ça allait être possible. Ça nous aide tellement, t'sais, mettons, ils nous aident financièrement. C'est magnifique, honnêtement. Ça nous donne une opportunité pour les juniors, pour les amateurs au Québec, de se faire reconnaître partout, aux États-Unis, pour ceux qui veulent aller dans la NCAA. Ça donne plein d'opportunités, c'est des tournois le fun, bien organisés tout le temps. Il me reste encore une couple de tournois. Après ça, on va essayer de travailler plus fort dans ces tournois-là encore. Espérant aller bien performer, puis c'est ça, le reste de la saison. Qu'est-ce que ça peut apporter, tu penses, cette victoire? Comment ça peut te motiver pour la suite? Ça va amener de la confiance, c'est sûr. Un petit peu le relief, parce que je sais que je suis capable maintenant. Puis la confiance, surtout la confiance, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur encore. Ouais. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup, merci.